Salut, bienvenue à votre troisième tutoriel Android. Aujourd'hui, on va faire des trucs très intéressants. On va encore installer des programmes. Alors, aujourd'hui, on va installer le SDK et on va paramétrer l'émulateur. Alors, l'SDK, c'est le Software Development Kit. Normalement, il contient toutes les méthodes pour la programmation Android. Et ça nous permet, entre autres, de développer pour l'émulateur. Alors, on tape sur Google SDK Android. Normalement, ça sera le premier lien, comme vous voyez ici. On tape dessus. Alors, quand on entre sur la page, on a un bouton qui nous permet de télécharger notre SDK directement pour Windows. Sinon, si on travaille avec une autre plateforme, on descend un peu et on trouve Download for other platforms. On clique dessus et là, on a tous les autres types de plateformes. Alors, vu que je travaille sur Windows, je vais taper sur ce bouton. Et là, on accepte la licence. Et bien sûr, 32 bits. On clique Download. Alors, le téléchargement va commencer. Moi, je vais l'annuler parce que je l'ai déjà. Alors, là, on va le chercher sous téléchargement. Alors, ça sera normalement un dossier .rar ou .zip, ça dépend. Si vous n'avez pas de programme pour l'extraire, je vous conseille de télécharger WinRAR ou WinZip. Alors on fait Extract Files et on l'extrait sous ces deux points. On clique OK et là on va sous ces deux points. Alors on le cherche. Alors si vous travaillez avec Mac, normalement, vous entrez sous SDK et après Tools et vous faites double-clic sur Android. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est normal, vous fermez et vous refaites la même chose. Et normalement, ça marchera. Alors, pour Windows, il suffit de cliquer sur SDK Manager avec le petit bonhomme vert. On fait un double-clic. Et là, on attend que ça charge. Là, on va paramétrer notre plateforme, celle pour laquelle on va développer. Alors, comme vous voyez ici, il y a plusieurs choses. OK. Nous, on va travailler avec le Android 2.2. Comme vous voyez ici, c'est écrit Installed parce que moi, je l'ai déjà installé. Alors, on va travailler avec Android 2.2 avec API 8. Alors, normalement, vous allez vous demander c'est quoi Android 2.2 et c'est quoi l'API 8. Pour chaque téléphone mobile Android, il y a une version du système. Et la version du système, c'est le 2.2. Par exemple, les Samsung qui ne sont pas mis à jour, ils fonctionnent, je pense, avec le 1.1, le 1.5, désolé. Je sais même pas s'il y a encore des téléphones qui fonctionnent avec ce système, mais je pense que les anciens ils fonctionnent avec ça. Parce que normalement le 3, du 3, 3.1 et au-dessus, c'est je pense que c'est les tablettes. Et en dessous, c'est les téléphones portables. Là aussi on a l'API. Comme vous voyez ici, l'API est différent de chaque plateforme. Alors, le niveau d'API est intéressant aussi. En développement, on utilise quelques méthodes du SDK. Parmi ces méthodes, il y en a qui nécessitent un certain niveau d'API. Alors, par exemple, si nous on va utiliser API 8, et pour l'API 8, il contient toutes les méthodes des API qui sont en dessous. Mais par exemple, si on veut faire fonctionner une application qui possède des méthodes du API 10 avec une application qui était développée avec un API 8, ça fonctionnera jamais. Alors, alors comme je vous ai dit, on coche Android 2.2 API 8 et normalement ici il y aura Install four packages or three packages. Vous cliquez dessus et là il y aura une autre petite fenêtre de pop-up.
comme je vais le faire avec un Android 2.3, comme ça. On clique Select All, Install, et là normalement ça va charger. Alors, le temps que ça charge, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour faire ce tutoriel. Alors, pour moi, vu que j'aime bien voir comment les choses se déroulent, j'aime bien apprendre de cette manière. Alors, on va faire de la sorte. Pendant les premiers tutoriels, on va y aller un peu plus rapidement, comme ça vous voyez comment ça marche. Et après, on détaillera un peu. Et ainsi, comme ça, on détaillera des trucs qu'on pourrait voir dans les premiers tutoriels. Et comme ça, vous allez plus le comprendre. J'espère que vous avez compris comment on va procéder. Et je suis désolé si vous n'aimez pas cette méthode, mais avec le temps, vous allez tout comprendre. Android est très vaste, mais il travaille généralement avec Java. Mais on peut le faire aussi avec C++, OpenGL, MySQL, XML, HTML. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire mon mieux pour couvrir tout ça. Quand le téléchargement de la plateforme est fait et que c'est installé, normalement, il faut cliquer OK. Et après ça, on va faire un truc très rapide. On va paramétrer l'émulateur. Alors, pour le faire, on reste sur le SDK Manager. Alors, pour ceux qui travaillent sous Mac, je pense qu'il y a un bouton ici, je sais plus le nom, mais pour ceux qui travaillent sur Windows, alors vous cliquez sur Tools, Manage AVDS, vous aurez ça. Là, vous cliquez sur New pour créer un nouveau émulateur. Vous lui donnez un nom, par exemple Droid R. Il faut faire attention. Il faut que ça soit un seul mot. Alors, si vous voulez mettre par exemple The Droid, vous mettez The et après Droid, mais il faut que ça soit collé. Alors, il faut donner la mémoire qu'on va utiliser. Là, il y a écrit 200, on va mettre que 100 MB. On choisit la plateforme. Bon, vu qu'on va travailler avec Android 2.2, on choisit la plateforme. Là, il nous demande de choisir aussi the device, ça veut dire notre téléphone, par exemple, ou notre tablette. Alors, ce que je vais mettre. Bon, on peut mettre n'importe quoi, je vais mettre le Galaxy Nexus. Et c'est fait, on clique OK. OK. Et notre émulateur est créé et paramétré. Alors. Merci pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Et au revoir et bonne journée.